Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode sur The Last of Us Part 2. Et rappelez-vous, on était avec Dina en patrouille et nous sommes dans le supermarché de Green Place apparemment. On essaye de rejoindre une tour et une sorte de mini-ville qui est pas très loin de Jackson. Donc on va essayer de se frayer un chemin et bah jusqu'à notre point de destination. Ah bah, c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Ouais. Ok. C'est facile, comme tu dis. Ok, par où on pourrait passer? Je vous rappelle que j'ai bien entendu désactiver les indices. Je pense que ça va jouer ici. Ouais, c'est ce que je me disais parce que on est plus proche du reste. Il y a un câble. Voilà, c'est bon. Ouais, fais gaffe à ta main quand même. Ça devrait tenir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, vas-y. En cette nouvelle journée. Ah Mais grave. ouais. Le détail de la corde, les frères. C'est incroyable, on Ok, dirait c'est une vraie bon. corde, hein. Regardez. Pof. J'y vais. Hop. Je dérange la corde. Pof. Ça bouge, non? Ça tangue. Et par contre, il y a un truc dont. Bah, qui m'a vraiment déçu, c'est. J'ai été spoilé. Fais gaffe en arrivant en haut. J'ai été Y a spoilé du parce vent. que je voulais savoir qui était. Enfin, pas qui était, mais. Attendez, c'est fort dans mes oreilles. Je voulais savoir qui. Mais merde! Je me suis fait spoiler parce Par qu'en ici. fait, je voulais voir à quoi ressemblait Abby sans son bonnet. Voilà, c'est ça la vraie raison. Et il se trouve La que bah, tempête j'ai trouvé. approche là. On est Quelque loin chose du que je ne poste de voulais pas. guet. C'est juste après la prochaine ville. Je te suis. D'accord, ça c'est le tien, évidemment. Et donc bah je suis tombé sur une image qui était en mode ok bah c'est du troll. Tu restes près de moi hein. Faut pas te perdre. Qui était du troll et je me suis dit putain ça a l'air drôle, il y a du texte. Et grand bonheur d'être limite Hey, bilingue c'est anglais. encore loin? Encore quelques minutes. Ok. Et bah j'ai tout compris. Je me suis fait spoiler. Je me suis fait divulgâcher l'histoire. Oh là là, le détail de la capuche. Attendez. J'ai trouvé ça tout à l'heure, le mode photo. Vas-y, on réinitialise tout. Hop. Et on veut voir quand même. Ça. Fais voir un petit peu les détails. Je sais pas si je peux zoomer vraiment plus que ça. On va voir avec la profondeur de champ. Non, c'est pas ça. Attendez, je vais trouver. Voilà, et donc regardez ça, si c'est pas magnifique, on voit que Ellie s'en prend plein la tronche. De la neige, bien entendu. C'est assez fou les détails, putain. Et malheureusement, comme la plupart des jeux en fait, C'est de pire en pire. je m'étais déjà fait la On fait remarque, demi-tour. tout ce qui est travail Regarde sur les maintenant. visages, On y est presque. ben on pourra jamais le voir parce que notre personnage est tout le temps de dos. Donc ça fait chier quoi. Je sais, ma belle. Allez, continue. Ouais, Dina, tu t'éloignes un peu trop à mon goût là quand même. Dina, c'est encore loin. Dina? Dina! Ça sent pas bon. Chier. Qu'est-ce qu'on a là? Dina, t'es où? Ah ouais, non mais il y a trop de chemin là, comment je fais? Je vais aller voir par là. Je commence toujours par la droite en fait. Dina! Bon, on est sûr qu'elle est pas par là. Merde! Donc c'est un cul-de-sac. Pensez qu'on peut monter par-dessus là? Non. Le cheval est peut-être pas assez athlétique. Hein. Dina! Rien non plus. Putain mais. Dina! Ouais, j'arrive. Par là. Ah putain, Où heureusement que est-ce j'ai qu'on mis un va? casque, hein. Fais-moi confiance. Je
t'aurais jamais retrouvé. Par contre, ça me fait un peu peur là. On est où? À la librairie. Non, ça va en fait. Va à l'intérieur. Ok. Je t'obéis. T'inquiète pas. Je m'occupe de la porte. Surtout ne vous inquiétez pas si je coupe mon micro. Hein. Je suis passé devant. Sans entrer. Bon, on va s'assurer qu'il n'y a personne. En général, il n'y a pas d'argent dans les... Enfin, il n'y a rien de pertinent dans une librairie. Je veux dire, tu vas pas trouver des soins, des médicaments ou quoi. Donc je pense pas que ça serve à grand chose de fouiller ici. En vrai, il y a juste des petites bouteilles. Mais je crois que j'ai toujours ma brique avec moi. Ok, on va vérifier si c'est bien fermé. Quelqu'un a tout verrouillé. Il y a un truc au fond. Je crois qu'il y a un lit. Tu penses que c'est un squatter? Tu vois un moyen d'entrer? Bah... C'est pas une échelle, ça? Non, c'est une écriture. Ouais, mais en fait, c'est le défaut d'avoir fait Uncharted en même temps. Moi, je fais toujours... enfin, pas toujours, mais souvent deux jeux en même temps. Et là, même si c'est le même studio... Faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière. Même si c'est le même studio, j'avoue que c'est assez troublant. C'est quoi tout ça? Et je sais pas, mais c'est pour moi. Qu'est-ce qu'on a ici? J'espère qu'on va pouvoir s'améliorer une arme. T'es sûr? Ouais, personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Bidouiller, frère. Eugène Lindner. Ouais, c'est bien la planque d'Eugène. Il faisait partie des Lucioles? Ouais, avec Tommy. D'accord. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. Du genre? Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Zone de quarantaine. Et 2 civils. Bordel. Par contre, ouais, j'avais oublié que les gens de Jackson n'étaient pas tous des Lucioles. Avait torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Eh, hey, mais c'est la girafe. C'est la girafe du premier jeu. Yeah. Et Joël, on fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. J'étais sûr que c'était ce qu'elle écrivait. Est-ce que Joël était en contact avec les autres Lucioles? Est-ce qu'il sait pour Joël et moi? Non, il en aurait parlé. Ok, donc il va falloir que je repasse de temps en temps dans ce petit carnet de notes. Pour voir ce que Joël écrit... ce que Ellie écrit. Peut-être que ça pourra nous donner des indices sur l'intrigue. Peut-être pas aussi. Peut-être qu'elle va juste dessiner des girafes parce qu'elle adore ça. J'ai peur à chaque fois qu'il y a une petite pièce au fond là. Carte à collectionner. De Laurent Foucault. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est de la BD Savage Starlight, tu penses? C'est possible, hein. Par contre, on aurait dit Lex Luthor et pas Jean-Pierre Foucault. Je sais plus quoi. Ok, bah... On est au Kindergarten. Un immense wok pour faire cuire les bébés. Oh, ça va. À quoi il joue? À la PS... C'est la 3 ou la 2, ça? C'est la PS3, première version. Oh, il joue à Uncharted, bien évidemment. Et quoi d'autre en dessous? Il n'y a pas d'autres petites dédicaces? Non. Ok, c'est assez cool. On a trouvé un premier easter egg. Ça c'est quoi? 4 AM. J'arrive pas à zoomer plus que ça, j'avoue. Attends, est-ce qu'on peut pas... Non, on peut pas zoomer plus avec ça. Non, c'est même encore plus loin. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des petits CD. J'irai voir au montage si je reconnais des choses. Mais c'est vrai que c'est typiquement l'endroit
où on peut trouver justement des petits easter eggs ou des petites dédicaces à d'autres jeux pour les non bilingues. Tiens, tiens. Alors c'est toi, Eugène. Tu vas la retourner? Non. D'accord. On la garde sur nous, on la vole même. Putain, mais par contre si c'est le quartier général de Eugène, il se met bien. Hein. Il y a un petit truc à fouiller ici. Il adore le soda. Ok, fais-moi voir ça. Je t'en supplie, rentre à la maison. Si les Lucioles veulent sauver le monde, eh bien, laisse-les faire. Sa famille pour rejoindre les Laisse-les Lucioles. Attaquer l'armée, s'attaquer à l'armée et aux politiciens. Laisse-les mettre au point un vaccin pour sauver l'humanité. Qui sait, ils réussiront peut-être un jour. En attendant, tu dois d'abord penser à ta fille. D'accord, donc lui aussi avait une fille. Les Lucioles s'en sortiront sans toi, mais pas elle. Elle n'arrêtera pas de me demander quand tu vas rentrer. Elle n'arrête pas. Et je n'ai plus la force de lui mentir. Tu me manques et je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Rentre à la maison s'il te plaît. On t'aime, Claire. Oh bah oui. Oh là. C'est touffu ici hein. Il y a beaucoup de cheveux sur cette photo. Il y a plus de cheveux que de photos. Typiquement. Ok, qu'est-ce qu'on a? Un petit générateur. Chips, t'as plus le droit de parler. Jusqu'à ce que je dise ton prénom. Ok, comment ça marche cette fois-ci? Ah, c'est un petit peu mieux. Ouais, ça change. Ah, c'est original. Oh, waouh. Il est pas mal, ton établi, Eugène. Je parie que tu peux modifier ton arme avec ça. Ok, on va aller modifier son arme. L'améliorer, même. Alors, voyons voir si nous avons autant de détails que dans les vidéos de gameplay. Là on peut tout améliorer sur le petit flingue. C'est vrai que c'est l'arme qu'on va utiliser le plus souvent. Cadence de tir, stabilité, recul, capacité. Je pense qu'on va prendre la stabilité. Vu que je suis pas très bon viseur. Ok, j'ai le trophée bricoleuse. Putain. Est-ce qu'on peut s'améliorer autre chose? Ouais, ça va le faire. J'ai plus que une vis. Ouais non, ça coûte trop cher. Bon, au moins on a de la stabilité, c'est déjà ça. Et on s'en va. On y va, Dina? Tu veux qu'on se raconte des histoires de clowns sur ce lit? Putain, il a même pensé à s'isoler du froid du sol. Ellie, gêne. Regarde par terre. Il y a d'autres trucs en bas. Tu vois un moyen de descendre? Pas ici. Ouais. Faudrait peut-être ressortir d'ici. T'as bien raison. Ah, c'est vrai que j'avais oublié de rallumer ma lampe. Mais là aussi, il y a des... Non, c'est de la lumière qui vient de là. Ouais. Je me disais aussi. Aide-moi. Qu'est-ce qu'on va trouver? J'ai un peu peur à chaque fois. Ouais. Qu'est-ce qu'il cachait en bas? J'imaginais pas que dans la bibliothèque nationale de ma ville... C'est pour ça qu'il t'en a pas parlé. Il y avait franchement, tout ça. J'espère pour lui que c'est un donjon SM. Il était tellement seul. Par contre, faut que je vous avoue quelque chose. Là, j'ai fait du coup que 3 épisodes, mais je ne joue pas en dehors des vidéos. Ce qui veut dire que bah, j'ai enregistré, bien évidemment, dès le vendredi, après être allé chercher mon jeu. J'ai enregistré un petit peu le samedi, et là, on est lundi. Du coup, j'ai laissé tout le dimanche sans enregistrer parce que bah, je peux pas. Chez moi, je ne vis pas seul. Du coup, je ne peux pas accaparer l'environnement tout le temps. Mais sachez que... C'est un écran géant qu'il voulait garder pour lui. Entre chaque moment de jeu, à chaque pause, je ne pense qu'à ce jeu. Et en même temps, j'ai peur, tu vois, de le finir beaucoup trop vite. J'ai envie d'apprécier tout. Et ce jeu me fait peur aussi. Ça fait beaucoup de weed séché. Ça explique pas mal de choses. D'accord, Eugène. Bon bah, quand je vous disais que c'était mon deuxième prénom, ça a aucun rapport avec moi. Là, des cassettes vidéo. La
Que du loup. Smash, Brandy, Scooch. C'est... du porno. Je n'avais des goûts spéciaux. Bah déjà, le fait de regarder du porno sur des cassettes, mon vieux, faut être un peu motivé, hein. Maria pèterait un câble si elle voyait cet endroit. Comment il a récupéré tout ça? Ça a dû lui prendre des lustres. Il aurait dû m'en parler. Est-ce que c'est pas trop sec pour être consommé, ça? Parce que ça a vraiment l'air de tomber en lambeaux. Qu'est-ce qu'on a là? Un bang, non? Ouais. Ah, Dina, putain. C'est un bang masque à gaz. Oh, il était vraiment pas con. Comme ça, le mec peut même consommer dans une zone avec des spores. Balèze. Eugène, franchement. Le boss. Par contre, il mange pas. Hein. Juste, il boit du soda, il fume et puis c'est tout. Là, qu'est-ce qu'on a? Bah, des petits pétards. Ah. C'est tout? Oh, intéressant. Tu crois qu'elle est bonne? Ça périme, la weed? On va voir. Un coup de main? Non, c'est bon. Oh putain. Donne-moi ça. Quoi? Tu crois que tu peux faire mieux? Ah, j'avoue. C'est... ouais. Suffit de la fracasser contre autre chose. Hein. Ça va plus vite. Hein. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Bah quoi? Je l'ai ouvert. Ça sent bon. Tu sais, on va rester coincé un moment. On est pris au piège. Je peux te poser une question? C'est pas ce que tu viens de faire? Sur une échelle de 1 à 10. 1 étant complètement nul à chier. Et 10 étant... à couper le souffle. Quelle note tu donnerais à notre baiser d'hier soir? Pourquoi tu veux revenir là-dessus? T'as dit que c'était une erreur? Moi, j'ai dit ça? À quoi tu joues? Je te demande juste de noter ce baiser. Je sais pas. Moi, je dirais 6. Un 6? Oh. 6, c'est déjà pas mal. Ok. Il y avait du monde autour de nous. Ouais, mais 6. Bah, quoi? J'ai vraiment envie d'entendre ta note maintenant. Je crois pas, non. T'es chiante, tu sais. C'est toi qui dis ça? Tu me donnes envie de retourner en plein blizzard. Personne t'en empêche. T'as intérêt à faire mieux que 6. Thank you.
Eh bien, la jeunesse, hein. Bon, ça me rassure pas à chaque fois que je joue Abby. Super désaffecté. Ah ouais. Et moi j'étais en train de courir comme un fou. J'allais dire ça me rassure pas du tout à chaque fois qu'il y a Abby et ben je confirme. Hein. Ça me fait peur oh, cette partie. Putain. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous les éliminer? Oh putain, il arrive. Je suis mort. Ok. Ah! Oh putain, en fait ils étaient vraiment beaucoup. Comment je vais faire? Trouver un plan. On va glisser par là. Ça me paraît être un bon plan. Là, par contre on sent vraiment la patte Uncharted là. Allez Abby. Je sais pas qui tu es mais... Ah! C'est pas le bon chemin. Je sais pas qui tu es mais meurs pas quand même. Putain. Évidemment on va dans l'eau là où c'est plus dur de courir. Putain, t'imagines s'il y a un saut à faire là. Vas-y. Non. Je sais pas où je vais, hein. Ça se voit. Putain, c'est hyper stressant. Je sais plus comment je m'appelle. Vraiment Walking Dead là, hein, pour le coup. Je m'attrape pas les pieds, s'il te plaît. Lâche-moi. Donne-moi la main. C'est qui? On va devoir courir. Joël. Tommy. Par ici. Tu as refait ma journée, Joël. Vite. Je suis tellement impliqué dans ce qui se passe. Ça va? Ouais, super héros. On s'en fout. L'important c'est de se casser d'ici. Attends, je veux voir un truc. Par derrière, il y a peut-être moyen d'atteindre le chalet. Je ressemble à une idée en tout cas. Hey, t'as un flingue? Ouais. J'espère que tu sais t'en servir. Mais j'ai très peu de balles. Joël, me laisse pas. Faut qu'on prévienne les autres. Et qu'on j'ai besoin de toi et Tommy. Avant ça, faut déjà qu'on survive. Surveillez les fenêtres. S'il te plaît, me dis pas que c'est une sorte de vague. Comme à la RE4. Ah, merde! Ils sont pas bons, ces enfoirés! Faut y aller! Porte, vite! J'arrive. Non mais ils sont vraiment partout quoi. Ah mais mange une calotte de ses morts toi. Bordel de merde. Ok, j'ai plus de balles. La porte ne tiendra pas longtemps. Faut qu'on se dépêche. Ouais mais on va où? Dans le périphérique? Le téléphérique? Là, utilise ça. Je peux t'aider? Hey, toi. Ouais. Bah vas-y, j'arrive. Faut la foutre sur le chariot. Au fait, je m'appelle Abby. Ils sont en train d'entrer. Je déplace la nacelle jusqu'à la fenêtre. Compte sur vous pour me... Ok, là, fais gaffe. Ah putain, c'est vrai qu'ils arrivent de plusieurs endroits. Tiens. Regarde contre le mur. Ah,
ça y a un claqueur. Mourir, hein. Je suis mort. Ok. Eh, c'était dur quand même. J'ai plus de balles. Non mais il y a un claqueur, les gars. C'est Joël qui l'a dit. Putain, vous êtes trop nombreux. C'est pas que je vous aime pas, mais Ça donne quoi, Tommy? Je suis presque. Protéger Tommy à tout prix. Oh, c'est bon. Une balle. On est mort. Allez, dépêche. Par la fenêtre. Faut y aller. Attends. Il y avait des balles là. Là. Vas-y, on y va. Joël, t'es avec nous. Ne nous lâche pas. Je vais t'aider. Reste à côté de nous. Merci, où vieux est-ce héros. Qu'on va? C'est par là. Allez. Il va partout. Sur tout ralentis pas. On fonce vers les portes là. Avance plus vite. Par ici, vite. Oh, j'ai peur. Hey, moi c'est Tommy. Lui c'est Joël. C'est quoi ton nom? Abby. Abby, tu vas bien? Ouais. Ça va pas tenir. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Kherson. Il faut barricader cette porte. Tommy, on peut pas rester ici. Les chevaux tiendront jamais jusque-là. J'ai des amis qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine Baldwin. On peut y arriver. Ok. Je m'occupe de la porte. D'accord. Tu viens avec moi. Allez. Allez. Ok. Sauve-moi, Joël. Non mais quelle séquence de jeu, c'est incroyable. Fou, ils m'ont mis la pression jusqu'aux oreilles. Et celle-là? Quand j'avais 12 ans, j'ai trouvé un skateboard. Oh oh. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice? Je suis tombée sur mon couteau. Ok. La brûlure, là. Oh. Je l'ai fait exprès. Pourquoi? Pour cacher une morsure. Juste là. Quand j'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et en fait, je suis immunisée. Alors, j'ai eu une putain de cicatrice avec des traces de dents, des kystes et... Aïe! T'es chiante. Quoi? Moi, je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi, c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde?
T'as entendu ? Y a quelqu'un en bas ? Jessie ? Oh merde. Reste où t'es, d'accord ? Tout va bien ? Non, attends deux minutes ! Hé, hey, retourne-toi, bordel, mais qu'est-ce que tu fous ? Putain, c'est une blague. Vous étiez censé patrouiller. C'est le blizzard dehors. C'est de la weed ? Qu'est-ce que tu fais là ? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de guet ? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça ? On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Ils sont peut-être rentrés en ville. Sans se faire remplacer, je crois pas. Est-ce que t'as couvert beaucoup de terrain ? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. C'est dangereux ici. Justement, et si ils ont besoin d'aide ? D'accord. Je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers l'est. Mais pas de conneries, ok ? Ok. Mais ça fait tellement de bruit que ça va en attirer d'autres, forcément. Allez, tous à l'intérieur! C'est moi où, genre, Joël et Tommy ont mille fois plus de charisme que tous les autres personnages. Rien que de dos, en fait. Tu nous as fait peur. Vous allez bien ? Ça va. Merci. Ouais. Hey, je peux te parler une seconde ? Vous voulez qu'on décèle vos chevaux ? Non, non, on va pas s'incruster. On partira dès que la tempête sera finie. Vous avez des brosses, des serviettes, tout ça ? On peut dire que t'as de la chance. Plus que tu l'imagines. D'où vient votre électricité ? Et où t'étais passé, merde ? Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et c'est qui, ce type ? Et vous êtes là depuis longtemps ? Non, depuis hier. Hier ? Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Rien, on fait que passer. Et vous ? Vous habitez par ici ? Ouais, quelques kilomètres plus bas. Vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir. C'est sympa. Au fait, moi c'est Mel. Tommy. Et lui c'est mon frère. Joël. Quelque chose me dit que vous nous connaissez déjà. Ouais, on te connaît. Nora, c'est bon ? Il est HS. Mettez-le contre la vitre. Tommy ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Puta madre. Joël Miller. T'es qui, toi ? Devine. Récite-moi le discours que t'as préparé pour l'occasion. Finissons-en. Soigne sa jambe. Allez! –
T'as pas intérêt à bouger, putain. Ils vont pas l'amputer quand même. Ça me fait tellement mal au cœur de voir ça. Écartez-vous. Mais quoi, on t'a sauvé? Et j'ai contrôlé ce personnage. Je me sens trahi. Joël! Tommy! Comment je fais pour descendre? Bon, je dois vous l'avouer que là, je le vis pas très bien. S'il te plaît, sois pas mort. Ouais, s'il te plaît, sois pas mort. Joël ! Putain, Joël. Tommy ! Ah là, votre bon cœur vous perdra, les gars. Putain, mais ça se voit qu'ils sont pas tous méchants, tu vois. Genre, Mel, elle avait l'air sincèrement gentille. Owen, il a l'air d'être là, et en plus, il est avec Mel qui est enceinte. Non, je pense que c'est Abby qui a quelque chose contre... Non, Sandek, Captain Obvious, mais genre... Je peux pas passer ici, si. Oh, ok, j'y suis. Je sais pas s'il faut que je sois discret, en fait. Dans le doute. Putain, mais Abby, quoi. Et surtout, Joël Miller. Joël ! Tommy ! Bon, on est plus discret du tout. Ça, c'est bien joué, Ellie. Par là. J'ai peur... Non. Les gars, me faites pas ça. Si vous faites crever Joël, je suis pas bien. Je te jure que si Joël meurt, j'arrête là. Je peux pas, c'est impossible. C'est qui ça? Quelqu'un? Non, c'est le bout du piano. Ah la vache. On va recharger quand même au cas où s'il y a un moyen de fracasser quelques têtes là. Joël. Fais chier. Et ouais, en plus c'est là qu'il dormait. On a pas un petit indice? Je sais pas si c'est chronométré, hein. J'ai bien fouillé tout ça. Putain, évidemment, ils le font gueuler à la mort. Donc au final, c'est pas Ellie, c'est pas Dina qui se fait attaquer. C'est Joël, malgré toutes les bandes annonces et tout ça, qui nous laissait croire que c'était Dina qui allait se faire tuer. Putain, s'il te plaît, donne-moi des trucs pour me défendre, pour le défendre. Vite, ses mains! Lâchez-moi, putain! Salope! Arrête, ça suffit! Ok, lâche-moi! Toi, je vais te crever! Qu'est-ce qui se passe? Laissez-le! C'est qui ça? Elle s'est infiltrée! Mais merde, vous deviez pas monter la garde? On pensait pas que quelqu'un viendrait! Vous êtes con ou quoi? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus! Ça suffit. Tu fais la même chose que moi. Tue-le. Vite. Joël, lève-toi. Joël, lève-toi, putain. Pitié, fais pas ça. Pitié, non, fais pas ça. Joël, allez, lève-toi. Ah, non.
te fais pitié. Je vais vous piter. Ok les gars, fou. Dites-moi que Joël est pas mort. S'il vous plaît, pitié qu'il ne soit pas mort. Ellie ! Je suis désolée. Jesse ! Ils sont en bas ! Ah Naughty Dog, putain, vous jouez vraiment avec mes émotions là. Non, Joël. C'est pas possible. J'ai des frissons partout, j'ai l'impression d'avoir perdu un ami. M'asseoir ? Bien sûr. Maria veut que tu manges quelque chose. Elle pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de renforts. Et Jackson se retrouvera sans protection. On va les laisser s'en tirer comme ça? C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent? C'est toi qui dis ça, ou c'est elle? Elle a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Évidemment que si, putain de merde. D'abord, on n'est même pas sûr qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste? Ils les ont peut-être volés. C'est... Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là ? Tu sais quoi ? Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, ok? Tu me feras pas changer d'avis. Donne-moi un jour pour parler à Maria. Elle pourra bien se passer de quelques hommes. Et si elle n'est pas d'accord? Alors je trouverai une autre solution. Un jour. S'il te plaît. D'accord.
mais je peux pas le croire, il est pas mort. Qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous l'avez enterré? Vous avez fait quelque chose? Où est Joël, putain? C'était quoi toutes ces cinématiques alors qu'on a vu avec Joël et tout? Je suis désolé les gars et les filles là, mais... C'est plus fort que moi. Je voudrais passer chez lui avant de partir. J'ai un truc à récupérer. Ok, on va s'arrêter ici pour ce troisième épisode. Je sais pas trop quoi vous dire, j'ai pas envie de vous dire, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, j'espère que le jeu vous intéresse et que ça vous fait plaisir qu'on se retrouve pour ces épisodes, mais je pense qu'il va me falloir un petit temps là d'adaptation pour vraiment encaisser tout ça. J'imaginais pas ça du tout. Fait chier. Moi je pensais vraiment que c'était Dina qui allait être attaquée, peut-être pas mourir, mais ouais, attaquée, peut-être même mourante, et que ça allait impliquer Ellie, mais c'est sûr que ça pouvait pas avoir autant d'impact que Joël. Fait chier. Pourquoi ils nous ont fait jouer Abby? Je me sens trahi en fait. Et je vous avais dit Owen et Mel, c'est, ça a pas l'air d'être des gens méchants. Il nous a entre guillemets protégés. Putain. Mais qui c'est? Qui c'est? Qui est cette putain de fille de... Qui sont les wolves quoi? En plus faut qu'ils viennent de Seattle. Déshonneur sur ma ville. Déshonneur. Bon bah je vous dis au prochain épisode. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous, on se retrouve pour la suite très très bientôt, je vous le promets. Ciao.